un texte de Maurice Châtelain sur les deux convergences pour bande magnétique, balafon, piano, son percuté et pour saxophone alto de Paul Arma. Deux convergences que Paul Arma dédie à Alain Bouet en témoignage, dit-il, de leur communauté d'esprit. On reçoit une œuvre nouvelle suivant les seules modalités de perception que les œuvres antérieures connues ont façonnées. Ainsi, autant qu'à leur substance propre, le caractère des musiques atonales tient-il encore au refus de la musique tonale. Grâce à la plasticité sémantique des formes, des œuvres anciennes restent inépuisables, mais sont ressenties, quelle que soit notre culture historique, d'une manière inévitablement anachronique à travers l'évolution qui nous en sépare. De même, les emprunts européens à des musiques exotiques, rythmes africains, modes asiatiques, perdent leur fonction originelle, tels les chants grégoriens issus de danses lascives d'Asie mineure. Paul Arma propose ces deux convergences comme le premier essai d'une véritable coopération musicale, en ce qu'elle ne vise pas à nourrir une ethnie avec une autre, mais à faire confluer les traditions respectives de l'Europe et du Sénégal. Elles sont réalisées pour saxophone alto et bande magnétique. La bande de la première pièce magnifie l'ampleur des sons graves du piano dans une annonce inexorable et confère à une partie de saxophone alto, en l'abaissant d'une octave, une couleur et une souplesse auxquelles un saxophone baryton n'aurait su atteindre. Dans le duo du saxophone enregistré et du saxophone vivant plus fébrile, les instruments équivalent à des voix africaines. Celles-ci cependant se superposent sans balise ni subordination des mouvements de l'un aux tenues de l'autre, en un contrepoint d'une densité insolite. La deuxième pièce a enregistré une percussion variée, obsédante, et un balafon non tempéré, au diatonisme marqué de l'influence de l'islam, encore que les formules animées, fluctuantes et inlassables de son jeu laissent dominer un sentiment pentatonique quasi universel où vient s'adoucir le tour d'adresse du saxophone qui s'y engraine. Finalement, en ne cessant de revenir sur le dessin immobile du lit déjà creusé, ces flux sonores rappellent Héraclite. La loi du devenir est la conciliation des différences. Loi stable, si bien que changer, c'est être encore le même.